Eyo. Parole véritable une fois de plus. Parole véritable. Revue véritable encore une fois. Tout. Le Bougarno, aka Arnaud Automatique. Aka Arnaud Life, aka. Il y en a. On voulait finir à la maison. On sait que vous les connaissez maintenant. C'est ça les bébés des bails. Moi-même DJ Flexta et aujourd'hui une fois de plus on est accompagné d'un illustre invité. Tous nos invités sont illustres. Mais celui-là non seulement il est illustre, mais c'est une légende. The Legend O'Kerry. Non, c'est le respect qu'on lui donne. The Legend O'Kerry. Il sait pas à quel point ça nous fait plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Non mais moi je suis dans la team, je suis dans la team pour le véritable. Voilà, c'est bon. Surtout qu'on fait les tournages dans le 9-1 frère. Attends, je suis là frère, y'a pas de soucis. On est ensemble, appelez-moi quand il y a des thèmes croustillants comme ça. Ok, ok, c'est cool. Bon, vous l'avez reconnu, vous l'avez entendu. Le Bouffif, O'Kerry, Superman noir avant que Marvel l'annonce, avant que DC l'annonce. Avant les Luke Cage, tout ça là. Voilà. Et j'avais le Marcel sur scène avant 50 même. Quel bail. Quel bail. Débat. Yep. Aujourd'hui, c'est très particulier parce qu'aujourd'hui on s'attaque à un album laisse tomber, un album de fou. On est cet album, pas de suspense inutile. West Side. The Game. Documentary. The Documentary. Je te dis. The Game, album. The Documentary, sorti le 18 janvier 2005, qui est aussi le jour de l'anniversaire du Bougarno ici présent. Voilà, on peut l'applaudir. Il faut le dire, bon, c'est bon. On l'a dit, c'est bon. Est-ce que c'est un signe? Ça, c'est un signe de l'univers et un bail qui va. Exactement, il fallait. Je l'ai acheté en double. Ça, tu sais, tu peux témoigner. C'est vrai. Fred Frenchy aussi, il peut témoigner. D'ailleurs, big up à Fred Frenchy. Big up à Fred Frenchy. Fab Frenchy. AKA The French Kiss of Death. C'est ça, les bails. Il va se reconnaître dans beaucoup de choses qu'on dit, Fred Frenchy. Donc, vraiment, big up à lui. Yes. Les gars, cet album, c'est, y a trop de choses à dire, mais je sais qu'il a une place très particulière pour notre invité O'Kerry. Je sais que cet album-là, pour toi, c'est, tu le places même devant certains autres albums qu'on dit classiques et tout. Donc, totalement. Comment tu as découvert cet album? Comment il est arrivé à tes oreilles? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de dire, pour moi, Documentary, c'est... C'est la suite de. C'est la vraie suite de Get Rich or Die Trying. On est d'accord. On est d'accord avec ça. Dans tout. Dans l'esprit, dans le côté gangsta, dans le côté prod de Dre, dans le produit et tout ce que je veux dire. Le côté stratégie aussi. Ouais, côté stratégie. Tout est bien dedans. Les clips sont bien, tout ça. Tu vois, il y a du Timbo, il y a du. C'est trop. En fait, c'est. Ouais, en fait, c'est trop. Tu peux pas révéler. En fait, c'est. One of a kind. Ça m'a giflé à Ouidou. À Ouidou, pardon. Tu sais pas comment je suis chaussé? If a nigga step on my white air, one. Non. À Ouidou, le truc, c'est que Game, on connaissait pas trop bien ça. Ouais, exactement. C'est-à-dire que dans le clip, il est là que dans la pénombre et tout. Il est greffé par le Book 50 lui-même sur une prod de dress. C'est trop. Puis même, tout est bon. Le clip, tout ça, même les gimmicks. La wipe. Flashlight. tu vois. Le flow qu'il a sorti là-dessus. Ouais. Non, trop, Lamborghini d'or, on est escalade. Non, frère. Escalade avec des Lamborghini. Non, c'est pas bon. Non, tout est bon dedans. Tu vois, c'est là où la musique, le rap, là, quand ça te fait rêver. Grave. Tu vois, quand tu regardes le truc et tu dream. C'est exactement ça. Tu dis, waouh, quel bail. Tu vois, c'est incroyable. Et après, tout le reste, c'était pareil. C'est-à-dire que là, il introduit parfaitement le Boog. Et le Boog, il confirme après à chaque titre. Même le celui Put You on a Game. Incroyable. Le clip aussi. Le clip incroyable. Dire le Boog est tellement de la street, il prend le bitume, il met sur son visage comme si c'est la crème. Comme si c'est la crème Nivea. Il a pris le bitume, il a pris. Il s'est passé sur la. Oh frère. Mais du coup, tu l'as découvert comment? Avec Ouidou quand c'est sorti, tu connaissais The Game, tu savais qui il était? Ouais, je l'avais entreaperçu dans In Da Club. Ouais. Tu vois, il avait son flow là, tu vois, truc. C'est qui lui le Book, tu vois? Donc, on sentait déjà qu'il y avait Tu vois. Après, j'entends The Game, il est signé et tout, tu vois. Mais là où j'ai découvert, c'est Ouidou. Ah putain, c'est comme tout le monde. Là, j'ai découvert, c'est Ouidou. Et la validation était absolue.
Tu vois, incroyable. Bien sûr, il est absolu. À ce moment-là, tu cherches qui est-il, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est là. Mais il est surpuissant, ce boug. Mm. Il attendait son tour tapis dans l'ombre. Mais là, il est en train d'être ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non. C'est là que tu dis que ça va s'arrêter quand. Parce qu'il arrive, il est chez Junit. Hein. Ouais, ouais. C'est un membre de Junit. Donc ouais, ouais. Tu dis, mais le plus puissant de l'industrie à cette époque-là. Non, mais en vrai, je sais pas si t'as fini ton explication, mais moi, je vais te donner ma version des faits. Moi. Non, débattons. En vérité. Nous, on l'a connu, mais on savait pas qu'il était puissant comme ça. On l'a connu avec le clip avec Jim Jones, Certified Gangsta. C'est sorti avant, ça. C'est sorti avant, frérot. C'est sorti avant. Et on voit quoi plus. On voit dans... Tu vois, parce qu'en fait, quand ils arrivent, il y a une présentation. Tu vois, il y a les Booyah Trip, il y a les Cameron, il y a les Cameron, diplomate. Jim Jones, diplomate aussi. Et tu vois, il y a marqué Game Junit. Tu dis, oh. Junit. Mais Junit, on sait que c'est Box, on sait que c'est Box, Banks, 50, Yeyo. On voit pas. Encore Yeyo, il est encore en prison. Même s'il est en prison, dans l'album, quand tu regardes Beg for Mercy, il est sur le mur. Tu vois, on voit sa photo. Ouais. Game Junit, c'est qui lui? On cherche. Et tu connais, il y a toujours des toujours des gars qui ont des cassettes ou des CD où il y a des clips. Et ils me disent non, lui, il est dans Junit. Regarde dans le clip Pop In Them Tanks, il est là. Regarde dans In The Club, il est là. Ouais. Regarde dans le clip On Fire de Banks, il est là. Il est là, il est là, il est partout. Il est partout. Et Stomp, il est là. Et truc, c'est... on sait que Dr. Dre a fait en sorte... il a appelé Jim Jones et tout, il voulait pas que le son sorte. Il voulait pas. Parce que ça allait tuer son rollout. Ouais. Et donc, c'est pas la première fois, parce que... en fait, Game, c'est pas son premier album, The Documentary. Ouais. Il avait fait un album avec JT de Bigga Figga. Tu vois, c'est les vrais OG de la West Coast et tout. Ouais. Et l'album, et JT de Bigga Figga, je crois qu'il s'était pas entendu avec Dre ou je sais pas quoi. Ouais. Il avait sorti un album dans la même période que Dre sort... The Untold Story, je crois. The Untold Story, voilà. Il sort The Untold Story, ça fait des histoires déjà et tout. Mais bon, JT, ça c'est les OG de la West Coast tu peux pas trop truc, tu peux pas mettre une pression au gars comme ça. Et Dre, en fait, tu sais comment Dre, comment il fonctionne. Aftermath, ils avaient un rollout de prévu pour Game. Non, mais, Placer, tout il y avait un programme. Comme le frérot, il a dit, le programme, en fait, c'était quoi? Ils mettent la carte des États-Unis. Bon, à New York, on a les gars, on a les 50, Banks, Yeyo, c'est bon. Dans le sud, on a Bok. À l'ouest, il nous faut quelqu'un. Donc, quand 50, il sort Get Rich or Die Tryin, entre Get Rich or Die Tryin et Documentary, il y a 2 ans. Il y a quoi qui sort de G-Unit? Il y a Banks et Bok en 2004. Il n'y a pas d'album G-Unit entre temps. L'album G-Unit, il sort. L'album, il sort. Back for Mercy, il sort fin 2003. Début 2003, t'as. Exactement, je crois que c'est 6 février 2003, t'as Get Rich or Die Tryin. En novembre ou en décembre, comme ça, t'as Back for Mercy G-Unit. 2004, t'as Banks et Yeyo, je crois, ils sortent à 1 ou 2 mois d'intervalle. Et les prix. Non, excuse, Banks et Bok, excuse. Et dans tous ces projets-là, The Game, il est dedans. Game, il est dedans. À part, il est dans celui de Banks et dans celui de Bok. Ok, il est dedans vite fait, tu vois. C'est pour ça que. Non, attention, il est dedans sur des sons de ouf. Sur l'album de Banks, il est dedans sur When the Chips Are Down. L'instru, elle est folle. Et, sur c'est l'album de Banks où il y a Warrior. Voilà. Mais il n'est pas sur Warrior. Non. Parce que Warrior même. Mais il est dans le clip. Il est dans le clip. Il y a un autre Warrior avec Nate Dogg, je crois. Avec Nate Dogg et Eminem. Voilà. Ouais. Il est pas dessus non plus. Non, mais il est dans le clip. Ah, il a raté les rendez-vous. Ouais. Je te ferai écouter, tu verras. C'est sérieux. Et sur l'album de Banks. Non, sur l'album de Bok, pardon. Il est sur Stomp. Ouais, Stomp, ouais. Stomp, c'est trop. Il a remplacé Ludacris. Il a remplacé T.I. Il a remplacé T.I. parce qu'il y avait le clash entre T.I. et Ludacris qui se clashait dans le même morceau. C'est n'importe quoi. C'est truc, pas comprendre. Truc de ouf. Du coup, les mecs, il y avait tout un rollout fait autour de Game. Une stratégie. De toute façon, André, il fait rien au hasard. Et bon, il y a eu plein de petits trucs qu'on pu altérer la totale surprise. Mais moi, perso... j'avais pas spécialement fait attention à The Game, l'artiste. Même quand je regarde Awidou, comme dans Awidou, il est dans la pénombre et tout, tu sais pas vraiment le truc. Tu le vois pas bien son visage, tu vois ce que je veux dire. Parce que la manière dont c'est filmé. Et ça rajoutait de la. Tu vois, en fait, l'élément qu'ils arrivaient à mettre, les Kenris, ça qu'ils arrivaient à faire, la mystique. Ouais, ils ont teasé doucement. Tu vois. Moi, c'est dans Inda Club, j'ai vu, je dis, mais ce book, il est suspect là. Il a une vibe, il fait un pas, je peux dead, tu vois ce que je veux dire. Tu coupes ton poupon, tu vois. Ouais, non. Mais en vrai de vrai, le premier épisode, c'est pas Awidou. C'est West Side Story, frère. Nous, on écoute West Side Story. Game, c'est qui? Game, c'est le gars qu'on avait vu là? Le son, les violons comme ça? Non.
incroyable. If you take a look in my eyes. Non, c'est trop. Crip, nigga, blood, nigga, essays, agent. The California Chromie got me so high. Can't tell him where you from, nigga, what's up? Trop, ce morceau, c'est trop. Non, tout est trop. Tout est trop dans cet album. C'est le. Après, non, programmé pour être un classique. Ouais. Pas programmé pour être un bon album ou truc. Programmé pour être un classique. Donc après dans le côté, comment dire, administratif, on va dire que. Bon, c'était forcément les prods prévus pour 50. Voilà, c'est ce que complètement. Je voulais dire. Ouais. C'était des prods de massacre à la base. Ouais, c'est. Moi, je suis. 75% de l'album, ouais. C'est des prods de massacre. Ça sent ouais. Que c'est la. Continuité de exactement. Get Rich, tu vois ce que je veux dire? Bah, si, c'est pour ça qu'il a une place prépondérante déjà sur cet album-là. Il a écrit pas mal de singles et il le disait, ouais, tu vas voir quand il faudra faire un nouvel album et tout et tout. Maintenant que je suis plus là, blablabla. Mais je crois qu'il est exécutif producteur de l'album. Ouais, bien sûr. Avec Dre. Ouais. Il se met bien. Ah oui, il est bien. Aujourd'hui encore, il mange de l'argent sur ce projet-là. C'est il est sur, regarde bien, la plupart des singles, il est sur le refrain. Non, mais c'est vrai que le single c'est Fifty qui les a écrits. C'est lui. Parce que le flow que Fifty envoie dans Awidou. C'est trop. Non, mais c'est pour moi l'univers de l'album, la manière dont il est confectionné. C'est-à-dire que. Toi, c'est un album où tu voyages. À des moments, c'est street. À des moments, c'est un peu plus deep. À des moments, c'est un peu club. C'est ça un album. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, c'est ça un album. Moi, je m'inspire de ce genre de projet pour faire les miens. Tu vois bien sûr, il y a des albums de Hulk Henry, un rappeur qui a ce type de construction où il y a des morceaux qui te font pleurer, morceaux qui te font rire, des morceaux qui t'énervent, des morceaux qui te hype. Parce que pour moi, un artiste, il peut pas être que dans une seule humeur et humeur rue, comme si dans la rue, c'est que la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des albums monolithiques. Non. Voilà, exactement. Non. Quand tu passes du track 9 Put You In A Game à Start From Scratch Start From Scratch, big up à Mamin 3, je sais qu'il regarde cet épisode avec la go de Flo et Tri, comment ça s'appelle, Marchand Brosius, ouais. C'est des londonais là, mais ça c'est la profondeur, c'est trop sérieux. Tu fais 4 tours du périph sur le même titre comme ça, tu refais toute ta vie, frère. Tu refais toute ta vie 4 tours du périph comme ça en plein été de ça, tu repenses à toutes ces ex, ah connasse, ah ouais, frère. Et le morceau il est trop deep, il t'envoie loin. Tu peux pas. Il t'envoie loin, frère. Fou. Non, c'est sérieux. Non, ça c'est la référence d'un album parfait. Intro, il y a tous les états d'âme d'un homme dedans, tu vois. Il y a tout, frère. C'est très beau ce que tu dis. C'est que même l'artworking, le livre. Il n'y a pas beaucoup de livrets, il y a pas beaucoup de bouquets qui sont aussi forts que celui-ci. Avec le Kiz qui doit être grand maintenant, tu vois. Harlem. Ouais. Non mais justement, Big Up Fred Frenchy nous racontait que la confession de cet album, mais même Game comment il signe, c'est un gars de Aftermath, vous voyez. Un gars de Aftermath. Il lui dit écoute, il y a un gars qui est chaud, tout ça, ils ont entendu The Game, ils sont partis envoyer Dre, il a envoyé un mec de Aftermath chercher Game dans la rue. Les mecs ils voulaient pas, ils étaient pas trop dans la street et tout. Ils ont assumé ça. Mecs ils ont dit écoute, moi si je te ramène pas là, moi je suis viré, frère. Mm-hmm. Vas-y viens s'il te plaît, tout ça, ça. Ils sont partis, Game il arrive, il voit dans une pièce, il y a Star Rhyme, dans une pièce, il est parti comment? Il est parti déjà avec son frère, Big Fez, chef du gang. Ouais. Ils sont allés calibrer. Ils sont allés calibrer, tout ça. Ouais, tout. Ils vont là-bas au studio. C'est leur lifestyle de l'époque. Ouais. Que veux-tu? Ils ont entendu les histoires de Death Row. Normal. C'est terrible. Tu rentres dans une pièce, tu vois Bustam. Oh, tu vois un truc. Snoop. Là-bas, tu vois Eminem, il est là. Il a dit, il voulait faire genre, je suis pas impressionné, mais dans sa tête, c'était la guerre. Oui. Mais tu vois ce truc-là, que les lifestyle, eux, ils vont calibrer et tout. Tu le ressens sur toute la carrière de Game. Ouais. Ce truc, on ne l'a pas quitté. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça que moi, je kiffe chez lui, tu vois. C'est-à-dire qu'il a brassé, t'as vu. Il a même fait des télé-réalités, je me rappelle, j'ai vu un truc télé-réalité, The Game, et tout. Bon. Il a fait tous ses bails. Mais le truc, il reste intègre. Il reste The Game. Tu vois, et c'est à ça que je m'identifie. Et c'est pour ça que, Arnaud, tu voulais pas qu'on fasse le versus et tout, mais quand je compare à Get Rich or Die Tryin' ou 50, c'est ce qu'il nous a donné sur son premier album. Ouais. Ah,
on a crié, frère. Tout le monde est parti à la salle. On a augmenté les perfs. Oui. On a... Bien sûr. Tout le monde est parti à la salle. Ça a commencé à pisser, frère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je trouve qu'il s'est embourgeoisé. 50. Ouais. Je trouve qu'il s'est embourgeoisé. C'est-à-dire que j'avais plus ma dose. Tu vois, j'avais plus ma dose. Je l'avais que par moment. Tu vois ce que je veux dire? Alors que 50 avec The Game, putain, c'est juste permanent. C'est permanent. Dès que The Game, on sait que ça sent. Tu vois, ça sent le bitume. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est très juste ce que tu dis. Et je vais te faire une analogie qui correspond à un sujet qu'on a eu tout à l'heure. C'est que 50, et c'est même pour ça que les mecs galèrent ensemble, 50, c'est comme Mayweather. Au début, les mecs, ils sont authentiques et tout, mais dès qu'ils ont compris le game. La bonne comparaison. Dès qu'ils ont compris le game, ils étaient potes eux-mêmes, non? Voilà, c'est pour ça. Dès qu'ils ont compris le game, les mecs sont devenus différents et maintenant, ils ont commencé à vraiment user et s'engouffrer dans les failles du game, dans les trucs, dans les rouages pour vraiment le manipuler. Ça, je conçois, parce que après tout. Si toute ta vie t'étais dans le hood, t'as même pris 9 bastos, dont une de toi. Tu parlais mal. Ouais. Frère, aujourd'hui t'as plus envie, normal. Mais moi en tant que auditeur, j'ai plus ma dose. Mm. Tu vois quand je le vois dans, tu vois quand je t'ai dit Amusement Park, il fait gogo, il a mis l'huile, tu vois, il a mis l'huile comme ça. Ouais, du chocolat, tu vois. C'est sympa, mais c'est plus pour moi. Là, il s'adresse plus à moi quand il fait ça, tu vois ce que je veux dire. Alors que The Game, il me parle toujours. C'est comme un SMS en direct, tu vois ce que je veux dire. Il se passe un bail, tu vois. Et The Game, le truc, c'est qu'il est très, très, très intègre sur sa musique. Il veut pas se mélanger, il veut pas, tu vois. Ah oui, il veut mais. Pas aller sur des prods trop south, trop trucs et tout. Limite, il veut pas collaborer avec certains artistes, hein. C'est ce que Fred Fresh nous disait. Même avec Exhibit, un des artistes de Californie les plus New York, quand même. Ouais. Complètement. Ouais. Complètement. Mais c'est ce qui leur a fait kiffer, justement, c'est que le mec, il rappait comme un New Yorkais. Ouais. Et attention. Ça se voit qu'il y a du nas en lui, ça se voit qu'il kiffe New York. Après, petite parenthèse, pour moi, l'un des rappeurs californiens qui rappe vraiment comme un truc, Rascas. Non, lui il rappe. Ouais. Rascas il rappe comme un truc. Parenthèse fermée. Voilà. Mais j'ai dit Exhibit parce que Exhibit aussi il est sorti. Ses premiers, il y avait des sons d'Avoc même, je crois. Carrément. Ça faisait grave New York. Même le premier, c'était un son de... Paradis. Ça faisait pas californien. Laisse tomber, après, dès qu'on était à la plage... Tout le monde faisait les Exhibits. Ouais. Avec les trèfles et tout. Non, il avait d'être ça. Donc, The Game, il sonne comme un New Yorkais et tout. Et tout de suite, en fait, j'ai l'impression que dès qu'il arrive, il fait son album tout de suite. Je sais pas, c'est une impression. Parce que 50, en fait, dès qu'il le voit, il veut le prendre dans G-Unit. Dre, au début, il est pas chaud. 50, c'est pas, il supplie, mais vas-y, s'il te plaît, Il voit l'intérêt. Dre, au début, il est pas chaud. Dre, il a compris. Et après, c'est Jamie Iovine qui dit non, moi, je veux pas. Vas-y, on sort déjà des Suge Knight. On a déjà eu des problèmes avec eux. Je veux plus avec. Il a dû me ramener plus des mecs cramés là. Laisse tomber, c'est bon, on a souffert. Des gangs en plus, des bloods en plus. J'avoue que c'est important le profil de l'artiste. S'il est dans les gangs, il est. Et que tu peux pas gérer, que ça devient ingérable. Ou un jour, tournage de clip, vous venez, vous faites canarder. Non, c'est pas possible. Je peux comprendre que oui, que les mecs soient réticents. Et l'avenir lui a prouvé. Lui a prouvé rêvant. Non, parce que la gestion d'artiste aussi, c'est un bordel. Parce que je me rappelle que j'étais bien avec une punk qui était stagiaire chez Def Jam. Donc des fois, elle me faisait glisser là-bas quand j'allais à New York et tout. Là, tu vois, et j'avais assisté à une séance de studio de Method Man Redman. Tu vois, donc ils sont arrivés au studio. Ils n'ont pas rappé. Ils ont pas rappé. Ils ont fumé. Ils ont fumé, ils jouaient à la console et puis ils sont rentrés chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ils n'ont pas rappé, tu vois ce que je veux dire. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux leur dire? Les boucles, ils cartonnent et tout, hein, mais ils font comme ils veulent. Comment tu fais pour gérer ça? Tu peux pas. Voilà. Surtout si toi, t'es là avec ton ego, tu dois gérer ça. T'es yom, frère, t'es yom. Tu peux pas, c'est impossible. Voilà, donc c'est important le profil. Parce qu'on oublie ça, le profil des artistes. Ouais. Et quand ça part en couille, on commence à dire, ouais, le producteur, c'est un bâtard et tout. Non, en fait. Il y a des profils qui sont ingérables. Ouais. Des books, ils ont zéro code, zéro savoir-vivre. Ouais.
Ils ne se rendent pas compte, non, on est dans les bureaux, là, on est avec les investisseurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le hood et puis il y a le professionnel. Eux, ils ont tout mélangé. Ouais. Ils ont fait un cocktail à leur sauce, tu vois, alors que ça se mélange pas. Tu vois. Ah, c'est très important que ce que tu dis là. Parce que, donc, même moi, aussi fan que je sois, je vois un profil comme The Game, j'hésite à signer. Parce que signer, c'est-à-dire que tu investis ton argent dans le. Dans le mec qui peut être instable. Mais attends, mais tout simplement, il peut se faire canner. Ouais, il peut se faire canner aussi du jour au lendemain. Ouais, ouais, exactement. C'est-à-dire que tu signes les books des gangs, ça te donne un crédit. Mais en vrai, c'est risqué, frère. C'est des grands risques. C'est pas de risqué. Bah, la preuve, de toute façon. Et puis le jour où ça canard, tu peux être là aussi en studio pour venir écouter. Tu prends une bastos comme ça, bêtement. Ouais. Tu prends une bastos. Ben ouais, frère, c'est même dangereux pour toi. Ah ouais, non. Mais de toute façon. L'avenir a donné raison à son hésitation, en vérité. Ah, il a senti que... C'est là où, quand il y a eu le beef avec 50, c'était sérieux. Ah, c'était très sérieux. Ça a tiré à 97, New Jersey Devil l'a mangé une balle, tout ça. Ouais. Bah, y a un mec qui est mort. Je sais plus s'il y a un mec qui est mort. Y a un mec qui est mort. New Jersey Devil l'a mangé une balle. Le DJ de Game, il a mangé une balle. Y a un mec qui est mort. C'est pour vous dire à quel point c'est sérieux. C'est pour ça que Game, après, est devenu fou. Mais on peut pas... Anti-50, tout ça. Non, mais après, c'est fini. On va plus le truc. Non, ouais, oui. Les gars, non, c'est pas possible. Bah, s'il y a mort, c'est foutu. Ouais. Après, bon, le truc, c'est que... Il y a eu la vague, dans les années 90, la vague West Coast avec les grands albums. The Chronic, Doggy Style, All of Me, Dog Food, etc., etc. Ça, c'était... La West Coast, c'est à la fin de Death Row. En fait, la West Coast était tellement Death Row et Death Row était tellement West Coast que dès que Death Row est mort, là, on a l'impression que la West Coast était finie. Donc t'as Snoop qui est sorti avec Daïs Adaz en 2000 et en 2002, 12 Centuries, tout ça. Mais t'avais plus de gros albums. Et le renouveau de la West Coast, c'est lui. Le mec a réinventé la West Coast et le premier nouveau gros album West Coast, Documentary. Ouais. Mais moi je vais aller même plus loin que ça. Sans lui, les Kendrick ils passent comment? Les J-Rock ils passent comment? Les Nipsey Hussle, ils passent comment? Les YG, ils passent comment? Ouais, C'est lui! Il a dit, hein. C'est leurs enfants, c'est lui, c'est le daron, lui! Il a ouvert un portail. C'est lui, le daron! C'est-à-dire qu'on s'autorise un petit peu à rapper comme des New-Yorkais, à kiffer des New-Yorkais, à faire des morceaux avec Nas, c'est ce qui a créé le fallout avec 50. Ouais. Just Blaze dans les albums. Oui, c'est exactement, lui. Exactement. Just Blaze dans les albums de Kendrick. Mais lui, il a dit, hein. Il a dit, ouais, moi, je suis le meilleur rappeur de Compton et tout et tout. Les gens dans les Twitter, tu sais, Twitter, c'est un réseau social de méchants. Ah, c'est la pénombre. Kendrick, nanani, ah, il te mange matin, midi et soir et tout et tout. Sans lui, il n'y a pas Kendrick. Il dit, mais gars, Kendrick lui-même, devant moi, il peut pas dire ça. Il peut pas dire ce que tu viens de dire. Ouais, même, c'est un rookie aussi, Kendrick, à l'époque. Et Kendrick, en plus, c'était même pas lui qui était la figure du proue du label. D'abord, c'était Schoolboy Q et J-Rock. C'était un bad rookie. Ouais. Moi, je découvre Kendrick dans Red Album, là. Dans l'album de Game, son couplet interminable, même l'instru est fini, il continue dans le même verre. Il avait tête, elle avait brûlé. Ah, c'est le côté. Ouais. Ah, c'est clair. Et le truc, c'est que moi, ce que j'aime bien avec The Game, c'est que, comme je te dis, c'est le nouveau mec arrive avec un nouveau délire, un nouvel album et tout et tout. Mm-hmm. L'énergie du gars et même l'artworking. En fait, tu vois ça, tu comprends tout de suite la West Coast. Il y a les Daytons, les Jantes, qu'on voit dans Menace Society avec Computer Love. Il y a les All-Stars. Il y a la All-Star, la Chuck Taylor. La Chuck Taylor. Le Dickies. Ouais. Ça pue la West Coast. Et en plus, un truc qui est particulier, tu l'as évoqué tout à l'heure. Hey, c'est un Bloods. Des Bloods dans le game en West Coast. Même dans le rap game en général. La West Coast, c'est un truc de. La West Coast. C'est les Crips. Hein. Oui. Les seuls Bloods, de toute façon, dans tout l'univers West Coast qu'on a connu, les seuls Bloods, bon, t'as DJ Quick évidemment, t'as Mac 10, t'as Shook. Donc, qui était pas un artiste. Mais tu vois, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Et lui, il arrive et il revendique son côté Bloods. C'est Dark Block Pyro. Tu vois ce que je veux dire? Gangsta Blood, Compton. Tu vois? Oh, même ça, c'est important que on en fasse aussi un thème dont on parle véritable, c'est-à-dire les gangs et le rap, tu vois. Parce qu'on ne comprend pas tout, hein. il faut qu'on s'exprime dessus. Parce que c'est très important. C'est très important parce que ça a changé tout. Il y a même des artistes qui sont plus là et tout parce qu'ils étaient gang-related et tout. Donc c'est très Ça change très tout parce qu'il y a le business gang lié à la musique. Bon, on te signe. Et puis quand le boug est yombe, il sait que c'est sa vie qui est en péril, tu vois. Bien sûr.
Bien sûr. Bah, 50, s'il a pris 9 balles, c'est pas parce qu'il vendait des DVD. Hein. Mais ça, c'est un peu partout. Hein. C'est même dans le rap français. Tu vois. Quand les grands du quartier signent le type et que le type est des yombes. Il y a quand même une emprise sur lui, quand même. C'est difficile. Tu es protégé dans la street et aussi tout ça. Tu peux te permettre certaines choses parce qu'il y a tes grands qui connaissent les grands. Exactement. Tu peux venir chez moi, je peux venir chez toi. Oui, on sait très bien. C'est très très important. L'impact des gangs sur les artistes, même les artistes signés chez les gangs et tout ça, c'est important qu'on en parle parce que c'est un peu flou dans la tête des gens, tu vois. Donc, c'était entre parenthèses. Mais si, non, mais c'est bien parce que, effectivement, c'est pas que péjoratif, il y a aussi des bons côtés à signer chez parce que quand tu dis quand même, ouais, il y a un gars des Blood qui sonne un album, tu vois, c'est quand même grandiose, hein. Tu vois. Non, mais c'était pas pour être à la mode qu'il a fait ça. C'était vraiment un truc. C'était réel. C'est pas pour. Il y a un de ces gars qui est décédé. C'est pas pour un buzz. Voilà, c'est pas pour un buzz. C'est pas pour un buzz. Le truc est réel. Exactement. Après, vous connaissez le rap. Il y a toujours son lot de rumeurs. Non, c'est pas un vrai Blood. Ah oui, un mec, il lui a mis une balayette au quartier. Non, ils étaient dedans. Oh, mais son frère, il est Crips. Ah, mais machin, tout. Il est dedans. Lui aussi, il est dedans. Je t'ai dit, j'ai entendu mille histoires là-dessus parce que je regardais les DVD, les magazines. Il y avait plein d'histoires et tout. Bref. Mais le délire, c'est cet album, quand Game, en fait, quand il signe, alors j'ai l'impression que Dre, il y a mis beaucoup de lui aussi. Ouais. Parce que autant il y a beaucoup de Gate Switch, mais il y a beaucoup de Detox. Le Detox originel. Tu penses ? Il y a une anecdote qui est simple. C'est Game qui ramène Dre à Compton. Ouais. C'est Game qui ramène Dre à Compton. Okay. Il n'est pas retourné à Compton depuis quand ? Ouais, tu connais, voilà. Il ne pouvait plus revenir au il quartier. Il était puni. Ouais, voilà. Genre quand t'as plus d'attache. Voilà. Ouais. T'as plus, t'es parti loin là-bas et t'as plus d'attache, t'as plus de raison d'y aller, tu vois ce que je veux dire. Celui plus personne. Ouais, même si tu vas, ça peut mal se passer un petit peu mal. Ouais, ça peut mal se passer parce que t'as pas un élément qui peut, tu vois. T'as pas une sécurité, t'as pas une ceinture de sécurité en vérité. T'as pas un coefficient boug, tu vois, un boug coefficient. Parole véritable. C'est très important, et du coup, ouais, il le ramène. Ouais. Et il le ramène, et c'est là que tu vois la photo Westside et tout. Et tout. Et moi, je me souviens, j'avais vu une page magazine, Dr. Dre présente, nanana. Tu vois Dr. Dre derrière posé sur la Cadillac et The Game devant les trucs. Tu dis, ah ouais. Lox. Parce que, tu vois, on a du mal à se dire que quand même, il y a des vrais coins de non-droit et tu vas pas à Compton comme ça. Ça veut dire que Dre, le fait de retourner dans son tiercar. Grâce à son book coefficient supérieur, là, tu vois, il a dû lui dire « Oh là là, mais c'est trop bien. Oh là là, j'aurais jamais cru que je retournerais au quartier. » Exactement. Et grâce à lui, il s'est dit « Attends, je vais te faire les instruits, là. Je vais te faire les instruits. Viens à la maison, là. » Mais, clairement. Là, clairement, le gars, il te redonne ta crédibilité. Ouais, parce qu'il y avait plein d'histoires avec Dre, enfin bref. Et le gars il te redonne ta crédibilité, avec lui tu peux aller partout, ça te redonne ce juice que t'avais perdu. Parce que quand tu viens du hood, c'est mystique si on te dit « Oh, t'es tricard au tiercar !» Et t'es là, même si tu brasses de l'argent, le fait que t'es plus accès à d'où tu viens, tu dis, attends, comment ça doit être difficile à vivre. Grave. Ouais, ça doit être difficile à vivre. Ça doit être difficile à vivre. Comment tu vas faire dans ta bouche devant les gens. C'est là d'où tu viens, c'est là où t'as tous tes bails, tes cicatrices, tes balades, c'est là-bas. Et puis finalement, t'as dit non, c'est fermé. On veut plus de toi, attends, pour des trucs on te cause plus. Des trucs de merde, ouais. Oh merde. Bah regarde Maze, jusqu'à il est devenu pasteur. Ouais, ouais. Après il a arrêté pasteur pour être chez G-Unit. C'est un autre sujet. Ça faudra qu'on... Ça je savais pas. C'est-à-dire qu'on arrête, arrête pasteur comme ça finalement, G-Unit, bon j'arrête. Après il revient à G-Unit, Murda Maze. Mais en fait, même quand il est parti pasteur, là, tout le monde pense que Zama il a eu un appel. Non, c'est parce qu'il a fricoté la femme de quelqu'un qu'il fallait pas. Protection. C'est quoi ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais tu connais. Oh. Les mecs, ils ont mis des rodkas, ils reviennent maintenant. Ah non, il a trouvé Dieu à. Ah ok, Mathieu revient, salam alaikum. Maintenant, laissez-le, c'est un frère. Ouais. Hey, quel frère ? Il n'y a pas de frère, qui a mis des rodkas. Ici, ouais, je vois mais c'est n'importe quoi ce qu'il a fait. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Bon, c'est ça qu'on parlera. Documentaire. Dès qu'on parle de rap, ça peut toujours aller dans tous les sens et tout et tout. Mais documentaire, en fait, comme je disais, cet album-là. Il y a beaucoup de Dre aussi. Parce que Detox, Dre, il avait dit, Detox, ça va être un album qui va révolutionner l'histoire du rap. Mais écoute, c'est simple.
sont ailleurs. Après, il parle. Voilà. À la fin du dernier couplet, il dit « Look out for Detox ». Ça veut dire qu'il a annoncé officiellement que Detox, il arrive sur cet album-là. Depuis 2005, on est en 2021. N'en parlons plus, c'est bien. Oublions. C'est comme le Golden Stakes Project avec Tash, Xzibit et... Ils nous ont promis. C'est ça. Mais c'est dans cet album-là qu'il annonce officiellement que Detox, il arrive. Ouais. Il y avait des rumeurs, des machins, il officialise là-dedans. Mais il paraît que ailleurs, c'était une prod qui devait être dans Detox, carrément. Ailleurs, ça devait être dans Detox. Ah oui, d'où ça devait être dans Massacre. C'est là. Mais bref, ouais, mais c'est ça, c'est, là, ça, en fait, c'est ça qui fait de l'histoire. De brocs, c'est ça qui fait les légendes. Voilà. Tu vois, non, les titres, même Running, là, la tête de. Le titre de High Tech, tu vois. J'attendais le tiercé, papa. Ah ouais, non. La profondeur des titres, c'est la profondeur des instrus, tout ça. High Tech, c'est tout. Non, je te dis, ils ont fait un vrai travail. Ils ont fait un vrai travail. En fait, je pense que. Après. Je sais pas si vous allez me suivre là-dessus. Il y a une vraie formule G-Unit en vérité. G-Unit Aftermath. Hein. Ouais. Moi, il y a un truc qui me dérange. Autant les albums sont chambés, il n'y a rien à dire. Mais il manque ce truc organique, naturel. Parce que, en fait, 50 ou comme The Game, t'as l'impression que c'est des cyborgs. On fait tout pour que t'as aucune faille en fait. Tu peux pas échouer. C'est-à-dire que t'as la force. Non, ils ont un bon staff. C'est ça, moi j'explique ça par un bon staff. C'est-à-dire, ils sont en studio, ils ont le best of, le meilleur beatmaker, le meilleur truc. Et ils ont probablement un book qui propose des belles mélodies, un book qui dit ah non, là tu devrais mettre un flow comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils ont le meilleur staff. Moi je rejoins plus que ça ce qu'il dit. T'as pas le droit à l'erreur en vérité. Bah, en fait, non, mais parce que vu que t'as tous les meilleurs books, mais oui, non, mais tu peux pas rater. Non, mais c'est même pas que t'as même pas le droit à l'erreur. C'est que tu peux pas rater en fait. Le truc, il est tellement artificiel. C'est comme les prods de Dre, c'est très très robotique, tu vois. Et le truc, c'est que t'as la force de Dre, les instrus de Dre, pardon. La force de 50, qui sort, 50 c'est Dieu à l'époque, hein. 50 laisse tomber, c'est le rappeur numéro 1. La force d'Eminem, tout ça qui est mélangé, N'est-ce pas comme ça qu'on fait des hits? Ouais, non, bien sûr. C'est comme ça qu'on fait des hits. Bien sûr, mais du coup, il y a ce côté un peu artificiel dans le G-Unit, et même, tu vois, rajouter Buck, rajouter Game, c'était pas, tu vois, c'est pas des mecs avec lesquels il a grandi, il les a rajoutés pour des fins purement commerciales. Mmh. La carte des States, ils nous font un mec à Los Angeles. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté-là. C'est stratégique. C'est pas le Wu-Tang, c'est sûr, mais. C'est nouveau en vrai. Ouais, c'est nouveau. C'est nouveau. N'empêche que c'est très beau. Mais dans la hype, ça passe quand même, ça passe crème. Mais ce côté-là aussi, ils se voient dans les clips. Parce que pendant un moment, les mecs, ils tournaient plus de clips. Vraiment dans la street, ils tournaient des clips en studio là. Ouais, avec des fonds verts où ils mettaient des univers et tout. Et ça, ils ont été critiqués parce qu'il y a plein de gens qui disaient ouais, 50, tu fais ça parce que tu peux pas aller dans le studio. Il vient plus au Ticard, etc. Après, bon, ça fait des beaux clips, les mecs économisaient de l'argent, du staff et tout et tout. Ouais, là, c'est des économies. C'est des économies parce que aller clipper au Ticard, fermer les routes, truc, et sûrement aussi payer. Ouais, bien sûr. Tu vois, payer la tranquillité, tu vois ce que je veux dire? Mais quand Cameron, parenthèse encore une fois, bon, désolé, hein, mais quand Cameron il va à Medellin, la tournée avec pour tourner Kiopi, shout out to Godams, my man Godams, yup, get large. Quand il va tourner avec Leo Scobar là, il est avec un bug comme ça là, dans la voiture et tout et tout, il voit des gars, il les arrête et tout et tout, il voit des gars font des têtes bizarres. C'est pas comme ça ici, il dit, comment il dit? Il dit au chauffeur, tout va bien, le mec, je sais pas d'où ça sort. Il dit, bon, Cameron, vas-y, il prend un truc, il vas-y, tiens, pour les enfants, pour les kids et tout et tout et tout. Ah, tout le monde commence à sourire. Ah, vas-y, vous pouvez y aller, tout ça, tout ça. Et là, tout se passe bien. Ça, c'est comme au pays. Ouais, voilà, c'est respecté. Et ils disent, ouais, c'est une marque de respect, en fait. Frère, c'est la vie. Le genre, c'est même pas pour nous. Il dit, ah, non, on a de l'argent. Mais c'est respect. Vas-y, les kids, ils sont là. Ça, voilà. Donne un petit yébi, tout ça, tout ça. Je me demande comment ça s'est passé, même Michael Jackson au Brésil, là. Think about us. Parce que c'est dans les favelas. C'est dans favelas, hein. C'est dans le hood même, non, frère. Non, mais obligé, Sony, hein, je sais pas si c'est un Tony Motola ou je sais pas quoi, il a dit de faire ça. Non, ils connaissent la musique, ils savent comment ça se passe. Michael, ils ont mis à genoux à terre les boucs des gangs de... Ils ont dit non, c'est Michael, pardon, vas-y, clip. Il va faire ils ont dit, ah ouais, peut-être, bien hein, peut-être. Peut-être aussi. Hein. On saura jamais ça, mais ce serait intéressant de découvrir. On va enquêter. Mais du coup, bon, si on rentre dans le vif du sujet, vraiment l'album, les titres,
les titres. De toute façon, c'est sur cet album-là, ce que j'aime bien que le G-Unit, c'est qu'il se trompe jamais de single. Il se trompe jamais de single, même quand il change. Non, mais ils ont une formule. Ils ont une formule non, gagnante. Pour les premiers albums. Ils se trompent jamais de single. Ouais, pour les premiers albums, c'est vrai, c'est important. C'est important de préciser. Ils ont les premiers albums solo de chacun des membres. Ils sont trompés. Bah après, l'implication est plus importante. Enfin, après, sur les autres, il y a moins d'implication et tout. Mmh. Mais Awidou, comment la meilleure manière d'arriver avec Awidou? Non, même mais si c'est, West Side Story, sort, c'est pour moi, c'est les meilleurs bangers. C'est une ère. L'air D-Unit, c'est les bangers. Mets dans ta voiture aujourd'hui. Ouais. Mets Awidou dans ta voiture. Non, c'est qu'ils sont complets. Tu vois, dans les années 90, il y avait les morceaux de Wu-Tang et tout. C'était sombre et ténébreux, tu vois. C'était bien dans la voiture. Il y avait un côté vraiment dark. Mais les bangers de D-Unit, là, c'est partout. Tu mets en club. Tu sautes, voilà. Tu mets dans ta voiture, tu sautes, tu mets dans la salle de bain, tu sautes, ouais. T'es partout. C'est... T'es avec une go. T'es avec une go, ça glisse aussi. Ah ouais, frère. Ah non, c'est... Ah non, mais clairement. Ah ouais. Donc même moi, quand je fais mon morceau à l'époque, jamais, mais c'est totalement dans l'ambiance du unit. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on me propose la prod, tout ça, je fonce, je dis, mais je suis comme eux, je peux d'aide, je dis, oh là là, je suis comme eux. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, lourd. Même je peux d'aide, hein. Même je peux d'aide aussi. Il avait un délire et c'est tout. C'est les bangers, voilà, exactement. Totalement. Ah ouais, c'était l'inspiration de ça. Ben ouais. Stratégiquement, ils étaient au point. Comme tu as dit, dans le choix des singles, ils prennent le meilleur du meilleur du meilleur, monsieur. Ils prennent un high-tech, sa meilleure prod de l'année, ils vont la mettre. Ils prennent Scott Storch, fais-moi un truc sérieux, direct. Frère, il y a Kanye West dans l'album. Ils prennent Just Blaze. Ouais. Gros, et on a parlé des beatmakers, on parle des featuring. Déjà, Tony Ayo est dedans. Sachant qu'à la base, c'est même pas lui qui devait être dans Renin, c'est Banks. Ouais, mais comme il sort de prison avec son album, il arrive, on met Yeyo. Et Yeyo, il envoie le meilleur couplet, je crois l'un des meilleurs couplets de sa carrière. C'est son meilleur couplet, ouais. Le meilleur couplet de sa carrière. Tu penses que c'est lui-même qui a écrit ça? Non, c'est que c'est pas un rappeur, Yeyo. Vous voulez diaboliser les mots, vous voulez pas. Non, c'est Tony Yeyo, il a marqué son nom. C'est un détail, qu'il écrit ou pas, il a d'être ça ou pas. Voilà, oui. Comme même Facebook, il a pas écrit son couplet dans Coming of Age, mais voilà, il a d'être ça. Tony Yeyo. Puis il y a même Mary J. Don't worry, le morceau il est incroyable. Mais vraiment, Marshall, la prestation de Marshall. Ils ont fait en sorte que cet album n'échoue pas. Ils ont dit. Il y a Busta Rhymes dans l'album. Pas dire que c'est un échec. Tu veux rater ta Busta Rhymes sans featuring? Mary J, Tony Ayo. Eminem. 50 Cent sur combien d'albums? Eminem. Eminem. Oui, ouais. Mais tu peux pas. Mais moi, si je suis Busta Rhymes, moi je veux un mec qui est arrivé avant-hier. Il sort son album devant moi et tout ça, avant moi, alors que moi je suis Busta Buff. Ça m'énerve quand même. Mais c'est pas pareil. Parce que Busta Rhymes, c'est Aftermath. Eux, c'est G-Unit Aftermath. C'est que c'était le roster. Eux, dès qu'ils disent qu'on va sortir, personne peut dire non. Mais l'implication que Dre il a eu dans l'album, et tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es là, Dre, le mec, t'as annulé des séances avec toi pour aller avec. On te causait plus, il a fait en sorte que tu reviennes. C'est normal. T'as renié. Exactement. T'as refoulé. Il a dit non, faites-lui un visa vite fait. C'est à qui il est revenu. Non, c'est vrai, c'est vrai. En fait, le coup. On mesure coup, pas la portée de ce truc-là, en vérité, c'est. La c'est considération de Dre pour Game, pour ce que lui apporte, toi qui es. C'est pas palpable, mais ouais. c'est dans le cœur, tu vois. Après, bon, je me souviens, mais j'étais. Première partie de G-Unit, The Game, concert à Bercy. C'était quand ça? En 2005, première partie de G-Unit. En 2005, Deep et tout le monde là. En 2005, ils sont venus. Il y avait un mec bizarre là en première partie, je sais plus quoi. Un mec, il a voulu faire du 50, il se met torse nu, enfin bref. The Game, il arrive, il fait Awidou 8 fois d'affilée. Ben oui. Il traite Ja Rule, il traite R. Kelly, il traite JG, il traite tout le monde. Non, Ken Sock, ma dick. Bip, bip. Bon, ça sera bipé. C'est vrai qu'il est très classe, The Game. Ouais. Il hésite pas, quand il est yom, il dit les noms. Ah non, il fait ça. Il dit les noms direct. Ouais. Ben quand, ouais. Même quand vous êtes en bif avec les fois Joe, les Nas, tout ça, moi, c'est pas ma guerre. Il dit aussi, tu vois. En vrai, ce qui est bien, c'est quand il aime bien, il dit. Ouais. Il dit ton nom. J'aime bien, il te place un big up. Et quand il t'aime pas aussi, il te dit. Bah après, c'est le fameux débat du name dropping avec The Game. Parce que c'est que du name dropping dans tous ses couplets. Mais c'est un fan. C'est un passionné.
Voilà. Moi, je lui pardonne son name dumping. Il a le droit, il peut. Bien sûr. C'est un flow comme un autre. Tu exactement. Vois en plus, ouais. Ça fait partie du rap. Hein, oui. Les métaphores, les comparaisons, tout ça, ça, ouais, ça fait partie des armes d'un mec qui écrit ses couplets. Totalement. Mais comme tu dis, les featuring, ils sont incroyables. Le travail de promo, il est incroyable. La présence sur les radios, les réseaux sociaux, la réalisation des clips, ça, c'était, tu vois, comme il y a aussi l'autre Robinson, morceau avec 50, là, I Did Not Love It. Tu vois, c'est prod Cool and Dre, incroyable. Pour l'un des meilleurs pour beaucoup. Ouais. I Did Not Love It, ouais. Ouais. So tough. And I'm not gonna stop. Go envy me. J'ai l'impression que c'est même le and I ain't going nowhere. Le single type de cet album pour l'Europe. Ça veut dire que c'est le morceau qui tournait à Skyrock, de The Game, vraiment, c'est vraiment ce clairement, type-là. Clairement, ouais. Tu vois, c'est le single qui a fait connaître The Game au peuple, à la masse, quoi. Tu vois ce que je veux dire, en Europe. Extra state, on va dire. Ouais, extra state, voilà. Frère Frenchy nous l'expliquait. Lui, c'est le tour manager de The Game Europe. Ok. Donc, il le ramène partout en Europe et il dit chaque année, mais ils font des millions et des millions en Europe. Des millions, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça rentre. Ça rentre énormément. Ouais. Ils vont... Même en Irlande, tout et ça. C'est grâce à Widow, à The Documentary. Ouais, parce ouais. que c'est un album qui a tellement frappé l'Europe que, gars, les mecs, bon, t'as un mois devant toi, vas-y, allez, on fait notre petite tournée. En plus, je le vois, moi, je follow The Game et je le vois quand il est en Europe, il se met bien. Et en plus, ça se voit qu'il kiffe. Il kiffe, pour de vrai. Il est là, il fait ses morceaux de documentary, tout ça, il kiffe. Tu suis sur Clubhouse aussi? Non. C'est pas sur Clubhouse, des fois, il fait des remontées. On était sur Clubhouse. Ah, vous êtes sur Clubhouse? Ça envoie des débats. C'est Frenchy qui nous a mis dedans. Ok. Il nous a mis dedans. Il y a des débats de The Game et tout et tout. Donc lui-même, il s'exprime et tout. Ah ouais? Mais dans des rooms, il y a Jim Jones qui est là. Ouais, bon. Le Bougarno, il y a Jim Jones à côté. Mais c'est dit, il m'a mis dedans. Il me met dans des conversations, il y a le fils à Busta Rhymes, ça va. Oui. Ah ouais, non, c'est sérieux. Clubhouse, ça, c'est sérieux. Faut venir. Bon, moi, je crois que... Vas-y, envoie une invite. Bon, je crois que ça parlait de débat seulement de couple, de ce que ça. Non, il y a des Just Blaze dans des rooms avec nous. Et okay. The Game, il est super actif. Okay. Et c'est même grâce à ça qu'on a réussi à l'avoir, nous, sur le live. Parce qu'en fait, pour l'anniversaire de Documentary, ils avaient fait une room Clubhouse où ils parlaient du truc et tout. Et moi, j'ai dit, mais c'est en anglais. Nous, les Français, qu'est-ce qu'on a? Fred Frenchy fait un effort, mets-nous à l'aise un peu, nous on fait un live. C'est là que t'as eu Fred, ok. Et là il a dit bon, je veux venir. Ok. Voilà. Non mais c'est un bon aussi Fred, c'est un bon gars. Franchement, une fois de plus, big up à lui. Toujours. Yes. C'est très bien, c'est le frère. Donc, l'Europe, The Game, c'est une histoire d'amour qui continue. Et c'est ce qui l'a sauvé après, parce que bon, cet album-là, ça marque le début de la guerre. Le début de la fin. Parce que The Game, après, quand il était carrément boycotté par son propre label, où il a été obligé de sortir chez Geffen Records, etc., etc., l'Europe a la fuck avec lui de ouf. Mais frérot, c'est le début de la fin, en vérité. Carrément. Pour moi, c'est le début de la fin. Ah bon, c'est lui qui a tué Junit. Début de la fin de Junit. Lui qui a tué Junit. Parce que lui, après, il a fait des albums. Bang, c'est ce qu'il a fait des albums de bonne facture. Bon, qu'il a fait un album de bonne facture, mais la promo, elle a pas suivi. 50, après, il a fait des albums, mais c'était pas ça. Après, le lieutenant de 50, c'est Banks, normalement. Artistiquement, hein, ouais, parce que Yayo, c'est le plus crédible. Ouais. Mais artistiquement, celui qui rejoint au niveau du niveau, c'est Banks. Et il dort. Banks, il est feignant. Il dort trop. Jusqu'aujourd'hui, 2021, il dort encore. Il a fait un projet. Oui, mais t'as écouté la qualité du bail aussi. Non, j'ai pas écouté. Il sort le bail, ça c'est mal mixé, tout ça. J'étais young, moi. Je vais aller vérifier. Comment tu peux sortir un projet, Manmix? Non, t'as vu, là, comme t'as parlé comme ça, je pourrais aller l'écouter tout de suite. Je vais t'influencer. Moi, dès le début, j'ai vu, non, frère Banks, depuis le temps que j'attends, tu m'envoies une pochette, tout ça. Et maintenant, tu m'envoies un truc là, ça grésille, tout ça. Non, quel bail. Vas-y, faites comme si j'ai rien dit. Allez, écoutez, faites votre avis par vous-même. Bah oui. C'est important, mais donc du coup, comment ça se passe, la chronologie? Et il dit, ouais, moi, je kiffe Nas et tout, il veut faire son morceau avec Nas. 50, il apprécie pas. 50 passe à la radio. Je sais plus, c'est Andy Martinez, il lui dit, ouais, nanani, Funk Myself Flex. Funk Myself Flex, ouais, truc, et The Game. Eh non, The Game est plus dans G-Unit. Oh,
Comment ça? C'est que les Boogs n'étaient même pas au courant. Oui. Les Banks, les Boogs, c'était là, et même eux, ils se regardent. Oh, je te jure, ils regardent. La communication. Tu vois? Ça commence comme ça. Voilà. T'as vu? C'est pas comme ça, la vie. Non, mais... Faut gérer son business. Là, ils font les bails d'ego. Ça, c'est voilà. De l'ego. Voilà. L'ego mal placé. C'est l'ego mal placé. Les mecs, ils vont. Ça part en vrille, tout ça, de ça, fusillade et tout. Il y a quelqu'un qui perd la vie. On a tendance à l'oublier. Mais ça part en vrille sérieusement. Et les Boogs ne maîtrisent pas les émotions, voilà. Tu vois, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, là, ils rentrent en guerre contre contre G-Unit, contre 50. Contre Jimmy Iovine. Contre Dre, même. Contre Dre Eminem. Contre Dre Eminem. Ouais, ça, j'ai suivi toute cette histoire. Bizarrement. Enfin, malgré... c'est des dommages collatéraux. Ouais. Et du coup, Dre, il prend plus parti pour The Money. Hein. Tu as vu, je reste avec les 50, tout ça, tout ça. Et c'est là que... Et comment, quand il sort Dr. Advocate, là, à ce moment-là, c'est quoi le climat? Réponse dans la prochaine vidéo. Game Dr. Advocate, ça va arriver. Ah, ok, d'accord. Vraiment, il ne faut pas tout dévoiler. C'est YouTube, ils vont regarder. Je vais revenir. Dès qu'il y aura des vues, on va leur donner. Exactement. Je vais revenir. Bon, les gars, tiercé. Tiercé ou non, quinté, moi. Quinté. Non, tiercé obligatoire. Quinté, il faut 5. Non, parce que quinté, c'est trop large. Là, je peux mettre tout l'album, moi. Ouais, là, c'est... Tiercé, c'est difficile. Tiercé, c'est difficile. Et qui commence? Je commence. Non, je vais commencer comme tout à l'heure. Vas-y. Tu vois, parce que... Bon, déjà, je mets start from scratch. Non, tiercé, c'est pas possible. Tiercé, c'est pas possible. Tu commences à faire... Mais quinté. Non, tu fais le Grinch. Mais quinté, frérot. Non, faut mettre quinté. Mais quinté. Laisse, tu fais le Grinch. C'est pas possible. On a dit tiercé. C'est ça qui met le piment au bail. Non, ça, c'est mon anniversaire, ça. Bon, toi seul. Ça, c'est mon anniversaire, frérot. Pour toi seul, ok. Non, faut quinté. Pour toi seul. C'est pas possible. Même vous, trois, vous allez en sortir un de plus. Bon, ok, t'as raison, quinté. Je vous dis, moi quinté. Il y a des albums, des classiques, faut des quintés. Okay. Tu peux pas. Put you in a game. C'est trop dans ce. C'est trop. Timbaland. Non, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Le bouton. Ailleurs. Ailleurs. Pom, 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 pom. Le gars a réussi de faire de l'harmonie avec du bruit. Tu vois, il a harmonisé du bruit. Pom, pom. C'est exactement ça. Et la formule, elle est magnifique. Ouais. Il a harmonisé du bruit. C'est-à-dire que normalement, c'est du bordel, ça. Lui, il a harmonisé ça. Pom, pom. Tu vois. Bon. Et puis, Ronin. Ah oui. Là, je suis à 4, là, c'est ça? Ouais. Et après, je suis obligé de mettre à Widou. Mais maintenant, la question. Est-ce que tu aurais pu enlever à Widou et Renin? Ou tu aurais pu ne pas les mentionner? C'est pour ça que je voulais dire... L'importance de quinté, ouais, c'est vrai que pour un classique comme ça, surtout qu'il y a 18 titres. Mais oui. Ouais, il y a 18 titres au moins. Ouais, voilà mon quinté. Ah, c'est comment? Vas-y, je fais, tu vas conclure. Vas-y. Ouf. Bon. Ailleurs. Mm-hmm. C'est des problèmes. Ailleurs. Comme tu dis, la formule, elle est magnifique. Harmoniser du bruit. Ça commence bordel, déjà, tu comprends pas. C'est-à-dire, le pied est mélangé. Gif, Robert. Et voilà tout. Non, mais c'est trop. Ça, dans une salle de sport. Ouais. Mais t'augmentes tes perfs. Salle de concert, salle de sport, club, voiture. C'est partout, c'est universel. Salle de conférence. Tout. Ah ouais. Mais oui. J'ai même envie de dire dans la bedroom. Parce que tu peux Doggy. Ah ouais, non. Le Doggy est cardio. Ah ouais. Oh putain. Oh merde. Bon. Aïe. Non, je n'en ferai pas. Non, moi, il y a un morceau que bon, t'as des morceaux évidents et tout, à Widou et tout ça, ça. Like Father, Like Son, avec très The grave. Game. Très grave. Prod de Buck Wild. Busta Rhymes, gros. Très sérieux ce morceau. Très like sérieux. Father, Like Son, franchement, très sérieux ce morceau. Moi, je kiffe beaucoup. Donc là, je suis à 3. Donc,
Put You in a Game, j'aimais bien, mais c'était pas mon morceau préféré. West Side Story. Crip nigga, blood nigga, Essays, Asian, Americans, Puerto Rican, White Boy, Jamaicans. Mais tu peux pas. Trop. Tu peux pas. All Star Fatless is Gun Charge. Non, tu peux pas. Comment tu fais? Le couplet de 50, le refrain de 50, l'efficacité. De toute façon, 50 pour moi, c'est. Pour moi, 50 c'est un très aigué. L'efficacité. Ouais, ouais. Je touchais qu'un ballon, mes buts. Ouais, ouais. Et même sur Pop Smoke, tu ressens l'implication de 50, les petits détails. Clairement. Clairement. Donc là, je suis à. Là, je suis à. Non, là, je suis à 4. Je suis à 4. Récapitule. J'ai dit ailleurs. T'as mis Like Father Laxon. Like Father Laxon. West Side Story. Ah, je suis à 3. Mm-hmm. T'es à 3 en vrai. Ah! Church for Thugs. Church for Thugs. Just Blaze. Just Blaze. Ouais. Moi, dès qu'il y a Just Blaze, de toute façon, moi, tu vois, il y a des trucs comme ça, c'est automatique. Just Blaze. Just Blaze. Et allez, le dernier, je dirais. I did love it. Mm-hmm. I did love it. L'efficacité ça. Et un remix incroyable de Mary J. Ouais. Si vous en rappelez. Incroyable. Beauty Wars. Elle a sublimé le titre. Ah, j'écoute ça dans ma voiture encore fort. Ah ouais. De toute façon, Mary J, à un moment, elle était en mode Busta Rhymes, que je fais les remixes de trucs, de 50, de trucs. Et ça, non, mais même sur le morceau, ça se voit qu'elle est contente. À la fin, même, elle remercie. Elle remercie 50 de l'avoir laissé le remix, de faire un remix sur son son, tu vois. Grave. C'est ça, mon quintet il est là. Franchement, c'est difficile parce que sur les albums comme ça, là, tu te trompes jamais en fait. Ouais. Tout ce que tu prends. Et Ah We Do, attention. Prod Back Dr. Dre et Mike Elizondo. Oui, oui. Parce qu'il y a un débat sur Dr. Dre. Moi, Dr. Dre, j'aime bien, mais bon, Dr. Dre, c'est. On a compris. Storch, Mike Elizondo et machin. On l'a compris. Et enfin, bref. C'est. Ouais. Mais c'est bien qu'il soit crédité, Mike Elizondo. Vas-y, je te passe le ballon. Je passe le ballon à Dick Mb pour le dunk. Non. Dans le désordre, hein, parce qu'il n'y a pas d'ordre en vérité. Il n'y a pas d'ordre. West Side Story, déjà. C'est trop. Mais c'est bien parce que c'est le premier single qui arrive. Running avec Yeyo. Meilleur couplet de Yeyo. Ouais. Une des meilleures prods d'Hightech. Ouais. L'émotion, elle est réelle. Ouais, c'est trop. Le refrain, il est réel. À tout moment, je peux couler des larmes. Non. Running, c'est trop. Running, c'est trop. Ah ouais. Running. Les gars, Put You On The Game. Put You On The Game. Timbaland, il a trop bien travaillé. Et même, le clip. T'as vu le clip by Timbo, ouais. Avec une smoke, il connaît toutes les chaînes Black Wall Street. Non, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Là, je suis à 3. Plus que 2. Don't Worry avec Mary J. Les 11 premières secondes. Allez vérifier les 11 premières secondes de ce morceau. Don't Worry, c'est trop. Les 11 premières secondes, c'est trop. Et si je dois en mettre un dernier, Special featuring Ned Dogg. Special. Ça, c'est. Ça là, t'es avec une petite. Girl, I know everything, it makes me feel special. Personne n'a mis le morceau avec Eminem. Non, c'est Fred Frenchy qui a mis ce morceau. Donc, je laisse ça pour lui. Ouais. Laisse ça pour lui. We ain't. Ouais, we ain't. Il est bien, mais c'est après, faut faire un choix. Respecter Ned Dogg. Ned Dogg, il y a deux morceaux dessus. Hein. Il y a Where I'm From et Special. Après, Special, c'est trop sérieux. Le truc qui est cool avec les top 5, nous, on appelle ça des tiercés ou des quintés, c'est que ça évolue avec le temps. Oui. Il y a 10 ans, c'était autre chose. Dans 10 ans, c'est encore autre chose. Dans 10 minutes même. Tu vois, c'est sûr ou pas? Tu vois, ta voiture, t'écoutes, tu. Ah non. Tu dis, ouais, putain, c'est en fonction de l'état. Un nom, Run In Game, en vrai, il était bien. Tu vois, c'est sûr. Oh, Kanye West, Dream. Oh, mystique. Ah ouais, Dream. Je t'avais dit qu'il était Dream. Personne n'avait Dream, non. Honte à vous. Vraiment. Dream. Ouais, Dream, c'est vrai. Avec les congas, là, le tam-tam, non. Kanye, c'est quelqu'un. Kanye, là. Attends, tout à l'heure, je vais te faire écouter un truc. Ah non, mais Kanye West, t'as fait connaître. Musicalement, voilà. Kanye, je vais te faire, tu vois. On peut parler de tout ce que vous voulez, mais le gars est milliardaire. Le gars a des classiques. Il a des classiques. Le gars a relancé la carrière de Jay-Z. Il a des productions classiques, il a des albums classiques, il a des morceaux classiques, il a des featuring. Le gars, il sort un sac poubelle bleu. Même les clips, vous allez l'acheter. Frère, Yeezy 700, la Wave Runner, c'est un classique. T'as vu la nouvelle veste là, qu'il a fait? Non, j'ai dit, moi. Tout ce qu'il fait, c'est classique.
Tu parles avec lui. Après, bon, écoute. Bon, je récapitule. J'avais dit West Side Story. Put you in the game. Running. Don't worry. Special. Très solide, très solide. Très solide. Très solide, très solide, très solide, comme d'habitude. Les gars, j'ai envie de dire qu'on a tout dit. Hein. Non, c'est on a tout dit. Bon, il y a plein de choses, il y a plein d'autres. L'histoire de The Game ne s'arrête pas. Ce qui n'a pas été dit doit être dit dans les commentaires. Exactement. On fait confiance. Exactement. Donc n'hésitez pas à commenter, à nous dire quel est votre tiercé. Tiens, dans les commentaires, vous mettez votre tiercé. Comme ça, tiercé ou quinté. Comme ça, on essaie de comparer, on voit si vous avez mis des titres que nous on a oublié, tout et tout. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse, frérot, c'est un classique. Y a pas intéressant. De j'ai envie de remercier encore notre invité qui nous a fait l'honneur de revenir. On ne remercie pas la famille, c'est normal. C'est bien, non, mais c'est bien quand c'est toi qui le dis, c'est cool. Merci maintenant. Frère. On te remerciera plus. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Non, mais c'est cool, c'est cool. C'est cool. Du coup, on peut te rejoindre sur Hulk Henry, sur tous les réseaux. Oui, sur tous les réseaux, tu tapes Hulk Henry, c'est moi. Exactement, sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes d'écoute aussi. Vas-y. Allez streamer, vous n'allez pas être déçus. Allez revisiter le catalogue du monsieur. Ah oui. Vous vous rendez pas compte comme ça. Le gars est simple et tout, mais vous vous rendez pas compte que des gens catalogues qui ont la moitié du quart, gros, du tiers de son catalogue. On nous blaguait quand on était petit des catalogues La Redoute. Le catalogue est très très important. Sur les plateformes, on all platforms. Exactement. Catalogue 3 Suisse. C'est un catalogue. Il y avait les 3 Suisses. Ouais. Sachant que, mais le frérot a une actualité. Oui, bien sûr. Là, tout de suite, là, il y a l'épisode 1. Oui, il y a le 2 qui vient d'être bouclé. Arriver. Je suis en train de tourner quelques clips, tout ça. Ah, c'est déjà... Oui, c'est enclenché, tu vois. Non, il s'agit que de... C'est pour le sport, tu vois. Ouais, il s'agit de kiffer, tu vois. Bien sûr. Mais encore, non, mais il y a une audience. Tant qu'il restera du juice. Exactement. Tant qu'il restera du juice. Il y a une audience, il y a des gens qui sont là, qui veulent, qui attendent les projets de Hulk Henry. Et même s'il n'y avait que 99 personnes, je fournirais ces 99 personnes-là. Ça fait partie des points, en fait. Qui n'en sont ainsi. Exactement. Pour des siècles et des siècles. Bon, les gars, on va finir là-dessus. Yep. Rejoignez-nous sur Instagram. Donnez-nous un coup de main sur Tipeee, s'il vous plaît. Ça nous aide beaucoup pour acheter du matériel, etc., etc., etc. Instagram, Twitter, TikTok, on est là. Voilà. Plateforme d'écoute sur Apple Podcasts, Spotify, Ocha et Deezer. Voilà. Deezer. Sur YouTube pour tous les contenus longs et courts. Là, il y a des revues véritables. Vous avez des extraits de podcasts. Vous avez les podcasts en entier. Il y a d'autres programmes qui vont arriver. On attend d'avoir votre avis. On attend d'avoir votre approbation. Pour voir si on vous balance ou pas. Mais on va vous balancer, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous connaissez Arne Automatique. 15 coups dans chaque main, je peux en lâcher 30. Voilà. C'est ça les balles. Yeah. Hashtag parole véritable, hashtag monde dans l'escalator. Dans l'escalator. Hashtag revue véritable. Yep. Parole véritable.